La température bascule depuis ce matin entre 29 et 30 degrés Celsius. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver sur ce 13h au Bénin. Voici les titres. Tournée statutaire du préfet du littoral. L'autorité a rencontré pour sa première étape les populations des 6 premiers arrondissements de Cotonou. C'était à la maison du peuple d'Akwakba en présence des autorités communales. Les détails à suivre. Rencontre des parties prenantes de la mise en œuvre du projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine à Cotonou. Elles étaient en atelier de capitalisation des retombées après 3 années d'exécution dans les communes de Cotonou et de Parakou. Les précisions dans un instant. Et puis, 12e rencontre, Cour suprême juridiction du Fonds auxiliaire de justice et Commission béninoise des droits de l'homme, l'impact de la jurisprudence de la Cour suprême sur l'œuvre juridictionnelle des cours d'appel et des tribunaux de première instance était au cœur des échanges. Restez avec nous pour le développement. À nouveau bonjour. La préfecture du littoral a démarré ce mercredi sa tournée statutaire dans le département. Subdivisée en 3 étapes, la première étape de cette tournée a réuni les populations des 6 premiers arrondissements de la ville de Cotonou. Cette assise s'est tenue à la maison du peuple d'Akwakba en présence des autorités préfectorales du SE, de la mairie de Cotonou et bien d'autres autorités de la municipalité. Candide Rourintor pour les précisions. Voici le moment ici choisi pour la rencontre d'échange annuel entre l'autorité préfectorale du littoral et les populations des 6 premiers arrondissements de la ville de Cotonou. Une rencontre qui offre l'occasion aux élus locaux de faire part des problèmes auxquels ils sont confrontés, chacun dans leur arrondissement. Les problèmes sont pareils dans tous les arrondissements. Alors, quelques-uns, éclairage dans tous les quartiers. Difficultés pour les écoles primaires publiques de gérer le paiement des gardiens et des factures d'électricité. Les représentants des chefs quartiers, des sages, des femmes et des jeunes ont eux aussi exprimé leurs préoccupations au préfet et toute sa délégation. Entre autres préoccupations, la question du chômage des jeunes et celle de l'ouverture des marchés nouvellement construits dans la ville. Les préoccupations exprimé, je vais commencer par le chef d'arrondissement, sont en réalité des préoccupations auxquelles eux-mêmes auraient dû apporter des réponses et des solutions. On n'est pas élu pour rien, on n'est pas chef pour rien. On a parlé du chômage. Nous avons une agence nationale pour l'emploi qui n'est pas fréquentée. Nous avons des programmes d'insertion dans l'emploi qui sont boudés. À qui la faute? Les voies plus autorisées vous diront pourquoi les marchés ne sont pas encore fonctionnels. Il y a des choses à organiser. Mais la question que je voudrais nous poser, est-ce que nous sommes sûrs que nous sommes déjà dignes de rentrer dans ces marchés? Au cours des échanges, le préfet du littoral n'a pas manqué de rappeler à tous ses administrés l'importance de consolider et de pérenniser les efforts qui sont fournis par le gouvernement dans la municipalité. Dans nos opérations de libération, il y a beaucoup de chefs quartiers ou des gens comme tels qui disent aux populations « Faites pas attention, ils vont s'en aller et vous allez réoccuper. » Parce qu'ils n'ont pas envie de se rendre impopulaires. Et ce qui se fait à la tête de notre État doit être reproduit par chacun d'entre nous. Que chaque Cotonouin se sente impliqué. Je mets donc cette tournée statutaire sous le sceau du sursaut patriotique et de la responsabilité. Après cette étape, la tournée statutaire du préfet va se poursuivre avec l'étape suivante, qui va réunir les 7 derniers arrondissements de la ville de Cotonou. À l'issue de cette dernière, va s'en suivre la 3e et dernière étape avec les élus municipaux pour faire la synthèse de la gouvernance dans le département.
Nous allons parler santé dans cette édition. Vous avez les yeux rouges et parfois purulents, une forte démangeaison et une sensation de brûlure. Il s'agit bien de la conjonctivite, plus communément appelée Apollo au Bénin. Cette affection des yeux devient de plus en plus fréquente en cette période d'harmattan. La rédaction du Canal 3 s'est donc intéressée à ces causes. Suivez dans cet élément les explications des professionnels de la santé. Il y a deux types pour moi d'Apollo. Il y a d'abord une Apollo, enfin une cause bactérienne, hein, comme on a le rhume, comme on a la sinusite, comme on a l'otite. C'est-à-dire que dès qu'on a, on a beaucoup de germes qui circulent sur la sphère ORL, et parfois ben, on en a qui se mettent dans l'œil, puisque c'est quand même une vitrine, enfin une porte d'entrée. Donc il faut savoir qu'effectivement, il y a les causes bactériennes. Dans ces cas, ça donne même des yeux qui sont un peu purulents, enfin le coller avec du pu. Hein. Dès qu'il y a une saison qui favorise l'Apollo, c'est l'harmattan. Donc ça reste assez saisonnier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le vent de l'harmattan est chargé en poussière de sable, donc très irritatif. Et d'ailleurs, quand il y a l'harmattan, on a aussi un peu le nez qui pique, la gorge qui est sèche. Et en fait, c'est pareil, ça fait la même chose sur les muqueuses. Et là, ça favorise largement les infections par les bactéries. D'accord ? Donc, ce n'est pas que l'harmattan provoque une Apollo, mais l'harmattan étant un vent irritatif qui abîme un peu les muqueuses, facilement, on peut se retrouver avec Apollo derrière. Il y a aussi un truc qui est super pour l'Apollo, a fortiori au moment de l'harmattan, c'est quand on rentre dans sa voiture et qu'on allume la climatisation ou la ventilation, et là, à ce moment-là, on se prend une espèce de bolus de germes, de poussière, de trucs qui vont jouer un peu le rôle de l'harmattan, vous abîmez les yeux et vous donnez Apollo le soir même. Comme seconde cause de conjonctivite, on peut évoquer les causes virales, quand ce sont des virus, et nous avons aussi les causes allergiques, quand les personnes ont souvent des allergies, des terrains atopiques, comme on dit dans notre jargon, ce sont des personnes qui sont souvent susceptibles de faire beaucoup d'allergies. Ces personnes-là aussi peuvent présenter ce qu'on appellera des conjonctivites allergiques. Et dans ces cas, généralement, on n'a pas de pus, on a juste un œil qui est un peu rouge et qui gratte beaucoup. La conjonctivite allergique, elle n'est pas contagieuse. La conjonctivite virale, par contre, qui est due à un virus, elle peut être contagieuse si on ne fait pas attention, on ne prend pas certaines précautions. Les modes de transmission, ça va être essentiellement les mains contaminées, donc il faut beaucoup se laver les mains. Le contact avec les yeux, il y a des personnes qui tout le temps mettent leurs mains ou leurs doigts sur les yeux pour gratter, c'est vraiment pas recommandé, il ne faut pas le faire. Il faut régulièrement donc se laver les mains. Il y a aussi le contact de personne à personne. Quand vous faites un câlin, vous embrassez quelqu'un, ou si vous allez vous coucher sur l'oreiller d'une personne qui était contaminée, il y a par ce moyen-là également, vous pouvez attraper une conjonctivite. L'Apollo ou la conjonctivite se traite en fonction du type dont souffre le patient. Les docteurs Mélène Toyi et Lise Hélène Adjari reviennent ici sur les modes de transmission, les modes de traitement et de prévention de la conjonctivite. Elles interviennent au micro de Rachida Tagossa et Rachidi Soubero. Alors, la conjonctivite bactérienne, c'est donc des bactéries, ce sera un traitement local avec des gouttes antibiotiques. La conjonctivite virale, généralement, si elle n'est pas surinfectée, c'est-à-dire que la conjonctivite a évolué et un germe bactérien s'est rajouté dessus, si c'est tout simplement viral, on va juste utiliser des larmes physiologiques qu'on trouve facilement en pharmacie. Et enfin, pour les conjonctivites allergiques, on va aller plutôt sur des colliers antihistaminiques. Antihistaminiques, les gens qui ont des allergies savent un peu ce que ce mot veut dire. Ce sont des colliers qui vont aider à réduire la sensation de grattage, de prurite. Des fois, il peut arriver que dans la conjonctivite bactérienne, il y a aussi un grattage important. Ça peut arriver. En plus du fait que l'œil soit rouge, il brûle un peu, il fait mal, il est larmoyant. Il donne aussi envie de le gratter. Dans ce cas-là, en plus du collier antibiotique ou de la crème, de la pommade, pardon, ophtalmique antibiotique, on pourra ajouter
des gouttes antihistaminiques pour réduire un peu le grattage. On ne peut pas éviter l'harmattan. L'harmattan est là, on ne peut rien y faire. Mais ce qu'on peut faire au moins, on peut toujours se laver les mains. L'hygiène des mains, toujours et en tout temps, on peut se laver les mains, on peut aérer sa voiture, son environnement, pour que... Parce que, en fait, c'est la concentration de germes aussi qui favorise hein, qu'il y ait cette pose à sous les yeux. On peut mettre des lunettes de soleil pour les personnes qui le peuvent. Les gens comme moi qui ont des lunettes médicales, nous, on est exclus d'emblée. Mais je pense que ça nous aide aussi un peu, ça nous protège. Et pourquoi pas, les soirs, utiliser des lames physiologiques pour se nettoyer les yeux. Ça ne gêne en rien, ça ne va pas causer de tort. En ce qui concerne le traitement par antibiotiques, en tant que soignant, nous sommes obligés de rappeler à tous les gens à qui on est prescrit qu'on est prescrit pour une durée donnée. Quand c'est un antihistaminique, quand c'est un antiviral, c'est-à-dire des larmes, bon, c'est tant qu'on a le signe. Si on vous donne un traitement antibiotique, même local, hein, alors parce que c'est un traitement antibiotique, il faut respecter les posologies et la durée. Ça contribue à tous les efforts que nous menons pour éviter ce qu'on appelle l'antibiorésistance. Et donc, par là même aussi, j'en appelle tout le monde à éviter l'automédication. Parce que sinon, après, on ne va plus pouvoir traiter les conjonctivites, même les plus basiques. Tout autre élément dans cette édition, 10 ans après la mise en œuvre du code de conduite de Yaoundé, les États côtiers du golfe de Guinée se félicitent des progrès enregistrés dans la zone E qui regroupe le Bénin, le Togo, le Nigeria et le Niger. C'est à la faveur d'une conférence dédiée à la célébration des noces d'étain de cette architecture de sûreté et de sécurité maritime. C'est aussi le lieu pour eux d'équiper leurs marines respectives en matériel de surveillance et d'intervention. Nous retrouvons Rachidi Soubérou cette fois-ci avec Ingrid. Le Bénin, le Togo, le Nigeria et le Niger se réjouissent ici des avancées notables enregistrées en ce qui concerne la sécurité maritime dans la zone E. Des progrès réalisés grâce au code de conduite de Yaoundé relatif à la prévention et répression des actes de piraterie, des vols à main armée, à l'encontre des navires et des activités maritimes illicites en Afrique de l'Ouest et du Centre, adopté le 25 juin 2013 au Cameroun. Ce code est élaboré par nos soins et pour nous-mêmes, avec l'appui et l'assistance de nos partenaires, nous a permis d'avancer en matière de sécurité maritime, prouvant ainsi qu'ensemble on est plus fort. Nous avons atteint l'objectif fixé en partie et nous en sommes fiers car nos espaces maritimes sont de plus en plus sûrs. Les résultats des actions entreprises dans le cadre de l'implémentation du code de conduite de Yaoundé sont probants car le nombre d'actes de piraterie et de vol à main armée en mer a considérablement baissé en général dans le golfe de Guinée et particulièrement dans la zone E, grâce à nos actions concertées. Aux côtés de ces États, pour évaluer les retombées de ce dispositif de sécurité maritime, plusieurs partenaires, les réflexions se mènent autour du thème 10e anniversaire du code de conduite de Yaoundé, impact sur le domaine maritime de la CEDEAO. Après 10 ans de mise en œuvre du code de conduite de Yaoundé, nous pouvons nous réjouir du chemin parcouru et du résultat obtenu au regard du climat de sécurité et de sûreté qui règne dans l'espace maritime de la zone E grâce au renforcement de la coopération maritime et au soutien constant des partenaires internationaux, je veux citer ONU, DICI, l'Union européenne, etc., qui n'ont cessé de nous accompagner dans notre quête quotidienne de disposer d'un code de Guinée sûr. Ce processus est né à la suite de l'appel du Bénin qui, par une lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies, a conduit à l'adoption de 2 résolutions du Conseil de sécurité par lesquelles les États membres de la CAC et de la CEDEAO ont été appelés à développer une stratégie régionale de sécurisation de leur domaine maritime commun avec l'appui de la communauté internationale.
La célébration des noces d'étain du code de conduite de Yaoundé est aussi le lieu pour ces États d'équiper leurs marines respectives en matériel de surveillance et d'intervention afin d'obtenir à l'avenir des résultats plus probants et tangibles. Vous résidez à Parako ou ses environs et vous êtes à la recherche d'une clinique adéquate pour des soins de qualité. Plus de soucis à vous faire, la clinique médicale Le Médium qui vient d'ouvrir ses portes vous en offre désormais l'opportunité. L'infrastructure sanitaire implantée au quartier Tiangourou dans le premier arrondissement de Parako a été inaugurée le samedi 9 décembre 2023, ceci à la faveur d'une cérémonie qui a connu la présence d'autorités politico-administratives ainsi que du promoteur Dr Juste Danroyon. Reportage. La traditionnelle coupure du ruban, voilà qui inaugure officiellement la clinique médicale Le Médium. Un centre sanitaire du jeune docteur en médecine, Juste Danroyon, connu aussi comme spiritualiste et prêtre du Fa. L'idée de cette clinique est née de ma passion et de ma volonté d'apporter des services de santé de qualité à ma communauté. Le nom Médium, puisqu'il s'agira pour cette clinique de soigner au-delà du réel, de soigner physiquement, psychologiquement et spirituellement. Ce centre apportera, sans distinction de race, d'ethnie, de rang social, de religion, ses services à toute personne malade et dans le besoin de se faire soigner. Érigé sur une superficie d'environ 600 mètres carrés, avec un coût global évalué à plus de 68 millions de francs CFA, la clinique médicale Le Médium dispose d'un personnel de qualité, composé entre autres de médecins permanents, d'infirmiers, d'aides-soignants et de techniciens de laboratoire. Tous ces détails suscités nous permettront d'offrir à nos paisibles populations des prestations en médecine générale, de prendre soin des femmes enceintes à travers des consultations prénatales de qualité, des consultations spécialisées en gynécologie obstétrique, en cardiologie, en neurologie et j'en passe. Juste Danroyon, plus connu sous le nom de Prince Voyon, a reçu la bénédiction de ses parents du roi de Parakou, ainsi que de l'onction des autorités de la ville. Je demanderai à la population du premier arrondissement de faire confiance à ce joyau. Mais cette confiance dépendra du promoteur. Courage à vous, au nom du conseil communal et à mon nom, nous vous disons et nous disons au médium, bienvenue, bon vent à cette clinique. La santé est une chose si importante pour être l'œuvre des seuls médecins. Tous, nous devons contribuer à faire de votre centre un lieu d'épanouissement, un lieu de succès. Une visite guidée des différents compartiments du joyau a mis fin à la cérémonie d'inauguration avec déjà une bonne nouvelle pour les populations. Les consultations dans le centre sont gratuites entre le 11 et le 15 décembre 2023. Je l'annonçais en titre, rencontre des parties prenantes de la mise en œuvre du projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine à Cotonou. Elles étaient en atelier de capitalisation des retombées après 3 années d'exécution dans les communes de Cotonou et de Parako. Il ressort que la mise en place de ces projets par l'Agence belge de développement Enabel avec l'accompagnement de l'Union européenne est un intérêt capital pour les bénéficiaires. L'atelier de capitalisation marque la fin de la première phase. Teddy Goudalo et Elvis Tonkoin pour plus de précisions. Deux projets phares du programme police de l'Agence belge de développement Enabel sont ici en phase de capitalisation. Il s'agit des projets d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine du Bénin et de son volet gestion de crise. Après 3 années d'exécution des 10 projets, les parties prenantes se retrouvent pour dresser le bilan. Ces deux projets sont financés, comme vous le savez, d'une part par la Belgique et d'autre part par l'Union européenne pour ce qui concerne le volet gestion de crise. Il s'agit de 2 projets ambitieux qui répondent aux orientations prises par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour moderniser les dispositifs de sécurité et pour assurer aussi la quiétude par la prévention des menaces
et la résolution des problèmes de sécurité en s'appuyant plus spécifiquement sur l'approche police communautaire. Les financements de l'Union européenne visent en particulier à soutenir les efforts en matière de gestion des crises. Les PROCRI contribuent à la mise en place d'un mécanisme de veille et de surveillance par le biais d'un soutien spécifique au Centre de prévention et de gestion des crises de la police républicaine. Quant à l'approche de la police communautaire, sa mise en pratique a entraîné des retombées significatives, dont la réhabilitation de plusieurs commissariats d'arrondissement. Le volet gestion de crise du projet a également enregistré des résultats notables, dont la création au sein de la police républicaine du centre de prévention et de gestion de crise et celui de veille et d'alerte pour la transmission de l'information en temps réel. L'appui remarquable à l'opérationnalisation du centre de prévention et de gestion de crise, CPGC, constitue l'une des réalisations pertinentes du PAPECRI car elle a contribué à placer la police républicaine au centre des disciplines intervenant dans la gestion des événements majeurs en République du Bénin. Cet atelier de capitalisation, dont l'objectif est de partager les résultats des projets PAOP et PAOP-CRI et de créer l'opportunité de dialogue autour des perspectives de durabilité des acquis dans ce secteur au Bénin, marque la fin d'un chapitre, mais aussi le début d'une nouvelle ère d'opportunités, de coopération et d'engagement en matière de sécurité. À travers une projection de films documentaires, les bénéficiaires des deux projets ont manifesté leur satisfaction suite aux impacts qu'ils ont engendrés. Un atelier de revue du secteur de l'énergie au 31 octobre 2023 s'est tenu ce mardi au ministère des Affaires étrangères. Il s'agit d'une activité dont la finalité est de faire le point des actions menées sur le plan du contrôle et de la sécurité électrique au Bénin. La cérémonie de lancement de la revue du secteur de l'énergie a été présidée par le secrétaire d'État à l'énergie. Le point dans ce reportage. Contrôle et sécurité électrique, état des lieux et perspectives. C'est sur ce thème qu'est organisée cette revue du secteur de l'énergie au 31 octobre 2023. Une activité qui réunit des cadres du domaine énergétique ainsi que les partenaires techniques et financiers de l'État. Cette revue intervient après celle du 7 avril 2022. La présente revue qui se tient sous le thème « Contrôle et sécurité des installations électriques dans les bâtiments » au Bénin, permettra d'examiner le point de l'état des lieux du secteur de l'énergie et le point de mise en œuvre à mi-parcours du programme d'action du gouvernement secteur énergie, d'apprécier les contributions des projets MCI Bénin 2 et PASE à la qualité du réseau électrique au Bénin, ainsi qu'examiner la situation actuelle et les perspectives sur la sécurité électrique dans les bâtiments au Bénin, et enfin de formuler de nouvelles recommandations. Garantir un accès universel à l'électricité, c'est l'une des préoccupations majeures du gouvernement. En témoignent les investissements consentis et surtout les résultats obtenus dans ce secteur et qui sont rappelés à cette occasion par le chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin. La création d'un nouveau centre de contrôle de la distribution d'électricité à l'échelle nationale en dispatch. L'inauguration du centre d'information et de coordination du WAP qui a transformé le Bénin dans la capitale d'électricité de la région. La fourniture de meilleurs services aux consommateurs et des prix réduits de branchement au réseau. La fourniture d'un nouvel accès à l'électricité dans les zones non desservies par le réseau national. Ces résultats seront bientôt renforcés par la réalisation de nombreux projets. La construction de la seconde phase du projet Défisol, projet Forsun, et aussi la construction, le lancement de la construction d'ici peu d'une troisième centrale sur le même site, ce qui nous conduira à une puissance installée de 75 MW sur le site d'Ilulofine. Le processus de contractualisation en cours pour l'installation d'une autre centrale solaire de 25 MW à Candy. La finalisation des études devant conduire à la contractualisation pour la réalisation de la centrale hydroélectrique de Dogobis, centrale dont vous savez qu'elle aura une puissance
estimée de 128 MW. Sont prévues dans le cadre de cette revue trois communications suivies de débats sur l'état des lieux du secteur de l'énergie et le point de la mise en œuvre du PAG, la qualité du réseau électrique et la sécurité électrique dans les bâtiments. Les travaux ont duré une demi-journée. Assemblée générale ordinaire du réseau des femmes élues locales d'Afrique Refela Chapitre Bénin. Les assises sont venues clôturer le processus de naissance du creuset dans notre pays, en plus de s'approprier les tests qui régissent le fonctionnement du réseau. Cette assemblée générale a également servi de cadre à la mise en place des organes décisionnels. Ainsi, Lucie Cessinou a été désignée pour prendre les rênes du Refela Chapitre Bénin jusqu'en 2026. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounan pour nous en dire davantage. Grand jour pour les femmes élues conseillères au Bénin. Elles sont venues des quatre coins du pays pour se retrouver dans la ville de Dassazoumé. Les assises consacrent l'Assemblée générale ordinaire de la session Bénin du réseau des femmes élues locales d'Afrique Refela. À l'ouverture des travaux, le maire s'est réjoui du choix porté sur sa commune pour abriter l'événement avant d'ajouter. Qu'on crée de nouvelles traditions. Parce que quand vous vivez depuis les indépendants d'une certaine forme et ça n'a pas donné de résultats majeurs et que depuis 2016, il y a de nouvelles tendances, il vaudrait mieux les renforcer par de nouvelles traditions. La naissance du creuset au Bénin est la preuve de l'engagement de ces femmes à se mobiliser et à s'ouvrir davantage au monde. La présente assemblée s'inscrit dans la dynamique de les fédérer autour des idéaux que prône le réseau. Elle a été aussi l'occasion de partager avec leur père de l'équipe pilote du Refela Afrique de l'Ouest les expériences ainsi que les bonnes pratiques de participation des femmes à la gestion et au contrôle de l'exécutif communal. D'abord, mes remerciements à nos sœurs du Bénin, à notre partenaire GIZ qui nous ont vraiment permis de venir assister à cette Assemblée générale, qui nous a permis de partager l'expérience du Bénin, de connaître comment ça fonctionne ici au Bénin. Dans ce monde-là, il faut que la femme ait sa place dans le développement local. En étant femme, et également des défis vis-à-vis de nos maris et également nos frères qui sont à côté. Cadre idéal pour l'appropriation des tests qui régissent le réseau, la rencontre a également été l'occasion d'asseoir les organes décisionnels du Refela Chapitre Bénin pour le bureau transitoire mis en place jusqu'en 2026. C'est au maire de Kétou, Lucie Cessinou, qui est revenue la charge de coordonner les activités et actions du réseau. Elle a promis y mettre du sien en vue de faire rayonner le creuset. Je rassure toutes les femmes élues ici présentes que ma collaboration avec chacune d'elles sera parfaite. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous ferons l'effort d'impliquer chacune en tenant compte des remarques qui sont faites ici, en tenant compte des recommandations de toutes les élus ici présentes. S'il y a des difficultés, je crois que nous allons nous asseoir pour regarder dans le même sens. Parce que l'image de Refela, c'est l'image des femmes élues du Bénin. Et c'est l'image de tout le pays qui est en jeu. Pour la tenue de cette Assemblée générale ordinaire du Refela Chapitre Bénin, les femmes élues locales du pays ont bénéficié de l'appui financier du projet régional de renforcement des capacités pour la décentralisation en Afrique de l'Ouest, PRODAO, de la GIZ ainsi que de l'accompagnement de l'Association nationale des communes du Bénin. Deuxième édition des Journées nationales du poisson d'élevage au Bénin, Jounapeb. La deuxième étape des manifestations s'est déroulée dans la commune de Dassa. Plusieurs activités sont programmées. Elles sont étalées sur 3 jours. Les Jounapeb sont organisées par l'interprofessionnel poisson d'élevage du Bénin. Elles visent entre autres à faire découvrir aux populations les atouts, opportunités et offres de biens et services de la pisciculture. Ce sera aussi l'occasion pour les acteurs et structures de la filière d'exposer les produits et services disponibles. Plus de détails avec Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounan.
Après Boïkon et Abome Calavi l'année dernière, c'est au tour de Ouida puis d'Assa d'accueillir l'événement. Les journées nationales du poisson d'élevage sont organisées par l'interprofession Poisson d'élevage au Bénin IPEB. Les manifestations ont pour objectif d'informer les participants sur les défis de développement de la filière. Cette année, elles offrent l'occasion de faire le bilan du chemin parcouru et de définir les perspectives. On attend qu'à l'issue de ces journées, les producteurs de cette zone de production puissent mettre sur pied un certain nombre de récapitulatifs des problèmes liés au développement de la filière et qu'on va devoir donc adresser à l'autorité ministérielle et ensuite trouver aussi les solutions que nous pouvons résoudre à notre niveau. Nous souhaitons que la discipline soit encore plus visible dans le département des collines, notamment les actions que le département est en train de promouvoir en mettant à la disposition des possibilités de subvention aux infrastructures. Pour cette deuxième édition, l'initiative est soutenue par de nombreux partenaires dont le projet d'appui au développement des filières protéiniques PADEFIP. Ce rendez-vous pour débattre de divers sujets mais aussi pour faire découvrir les avancées enregistrées dans le secteur a également pour but de permettre aux acteurs de tisser des liens d'affaires ainsi que des relations professionnelles. Les trois jours d'activité ont démarré par une conférence inaugurale axée sur la territorialisation de la filière. La territorialisation permet de dire à une aire géographique donnée, voici ce en quoi vous êtes les plus forts. Et si vous développiez cela, vous allez gagner plus et vite. Parce que vos sols et les habitudes culturelles s'y prêtent le mieux. Ce faisant, l'administration des moyens de travail se trouve d'abord ciblée là et le reste se répartit un peu vers les autres qui font l'accompagnement de la zone principale. Placé sous le thème « La pisciculture béninoise à l'aide des pôles de développement agricole, bilan, enjeux et défis », l'édition 2023 des Jonapeb a été meublée par diverses activités, dont une cérémonie de remise, un lot d'équipements composé de tricycles, équipés de bacs aérateurs, de filets, glaciers et balances, de même que de chèques ont été distribués aux pisciculteurs de la zone. Le geste s'inscrit dans la droite ligne de la mise en œuvre de la composante 2 du projet appui au développement et à l'extension de la pisciculture continentale paysanne. Cet élan de générosité a connu le soutien de l'Agence territoriale pour le développement agricole ATDA Pôle 7. Impact de la jurisprudence de la Cour suprême sur l'œuvre juridictionnelle des cours d'appel et des tribunaux de première instance, c'est le thème au cœur des échanges de la 12e rencontre Cour suprême, juridiction du fonds auxiliaire de justice et commission béninoise des droits de l'homme. Cette rencontre qui intervient après celle de Dassazoumé dans la colline s'est déroulée du 11 au 12 décembre au tribunal de première instance de Djougou. On écoute Elias Soubiao Aïnin et Victor Dassia Dossou, respectivement préfet de la Donga et président de la Cour suprême. Ils sont sur des propos recueillis par Alassane Aouna et Abou Sabi Dressou. Mesdames et messieurs, la Cour suprême, la plus haute juridiction en matière administrative et judiciaire, se doit de prendre la pleine mesure de ses attributs constitutionnels de la plus haute juridiction béninoise en matière administrative et judiciaire de l'État ainsi que de sa mission traditionnelle d'unification du droit et d'harmonisation de la jurisprudence. C'est à mon avis ce qu'elle a compris en instituant, de concert avec le ministère en charge de la justice, de la législation et des droits de l'homme, les rencontres trimestrielles qui constitue un cadre d'échange périodique, de dialogue, de rendez-vous, de partage sur les grandes orientations et tendances jurisprudentielles qui sont les siennes avec les magistrats chargés de dire le droit en premier ressort et en appel. Mesdames et messieurs, chers collègues, point n'est besoin de rappeler la philosophie ou la logique qui sous-tend nos rencontres, qui en sont aujourd'hui à leur 12e édition. Je voudrais simplement relayer ce matin les propos simples, mais d'une réelle profondeur, d'Emmanuel Kant, qui a dit ceci, et je le cite, «
Si la justice périt, la vie humaine sur terre a perdu son sens. Si la justice périt, la vie humaine sur terre a perdu son sens. Fin de citation. Je trouve ces propos en cohérence parfaite avec ceux de Martin Luther King, qui a affirmé lui aussi, je le cite, « La paix n'est pas l'absence de conflit, mais l'existence de la justice pour tous. » Fin de citation. Le dialogue institutionnel entre la Cour suprême, les juridictions du fond, les auxiliaires de justice, vise à créer dans notre pays les conditions nécessaires au règne d'une justice forte, parce que indépendante, efficace et prévisible. Il ne saurait en être autrement quand on sait que depuis l'historique conférence des forces vives de la nation de février 1990, notre pays s'est résolument inscrit dans une dynamique d'édification d'un état de droit et de démocratie pluraliste, qui ne repose en réalité, tout le monde en convient, que sur une justice indépendante, animée par des hommes et femmes de compétences avérées, intègres et conscients de leur immense responsabilité dans la construction de l'État démocratique. Il me plaît, à ce stade de mes propos, de saluer et de remercier le garde des Sceaux, ministre en charge de la justice, pour le soutien qu'il apporte à cette initiative de la Cour suprême. Après Cotonou, Porto Novo a désormais son guichet automatique multiservice MTN. À travers ce guichet, MTN se veut plus proche de sa clientèle de la ville capitale en la rendant autonome au dépôt d'argent, le retrait d'argent et même à l'achat d'une carte SIM. L'inauguration a eu lieu en présence du maire Charles Nyakoti. Reportage. Un guichet automatique multiservice estampillé MTN Bénin qui rend désormais le client totalement autonome. À Porto Novo, il a été mis en service ce lundi, non loin de l'hôtel Beau Rivage, précisément au niveau de la station Petro. C'est un guichet qui a plusieurs fonctionnalités, aussi bien les services financiers que les services GSM. Sur ces guichets automatiques, vous avez la possibilité désormais de faire des retraits d'argent, d'accord, sans assistance physique. Vous venez, vous tapez votre numéro, on va faire le test tout à l'heure, et vous tapez le montant, vous retirez comme dans un guichet de banque. Vous avez également la possibilité de faire du dépôt. Vous déposez de l'argent directement, ça se retrouve sur votre compte. Vous avez également la possibilité, côté GSM, d'acheter de la carte SIM vierge. Parce que l'objectif final pour nous, c'est de pouvoir vous rendre autonome totalement. Vous pouvez acheter une carte SIM vierge pour pouvoir faire un changement SIM avec après. Et avec le temps, nous allons implémenter d'autres services comme l'enregistrement automatique de votre pièce, la mise à jour de vos données automatiques. Le changement SIM pourra être possible sur le guichet automatique, de telle sorte que le client aujourd'hui n'ait plus besoin d'aller forcément en agence ou encore 24 heures sur 24, il peut venir se servir lui-même. Les premiers clients, dont le maire de Porto Novo, Charlemagne Nyakoti, et son premier adjoint, qui se sont essayés à ce guichet automatique multiservice de MTN, en sont ressortis émerveillés. C'est un plaisir pour nous d'être associés à l'inauguration de ce guichet automatique multiservice à Porto Novo. Et je crois qu'on ne peut que remercier MTN, qui depuis toujours est en train de penser à comment satisfaire la clientèle. Et dans ce sens, en plaçant un guichet automatique multiservice à Porto Novo et qui est appelé à fonctionner 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7, ça permet de régler un certain nombre de problèmes, entre autres, et le besoin et de s'approvisionner en sous à une heure tardive, au moment où les petits serviteurs sont déjà endormis. Et c'est très bon, c'est très bon. On remercie MTN. On remercie MTN et que Dieu les accompagne dans leur business.
Nous invitons les populations de Porte-Novo à pouvoir l'utiliser. Et ce service est disponible à tout moment et à toute heure de la journée. Que ce soit le dimanche, que ce soit le lundi, vous avez accès à tous nos services. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous continuerons à faire davantage pour améliorer la qualité de nos services et être toujours prêts pour vous et près de vous. À travers ce nouveau service, MTN Bénin se rapproche davantage de sa clientèle de Porte-Novo qui désormais, 24 heures sur 24, peut retirer de l'argent, déposer de l'argent ou acheter une carte SIM. C'est sur cette information que nous bouclons cette édition. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.